Avez-vous déjà hésité à manger une pomme parce que vous aviez peur qu'il y ait des pesticides dessus? Ou vous êtes-vous déjà demandé si votre eau pouvait être contaminée par, je sais pas moi, des métaux lourds? Ou peut-être que c'est le plastique ou les perturbateurs endocriniens qui vous préoccupent? Et là, vous avez sûrement fait comme tout le monde et vous avez cherché des réponses sur Internet. Parce que oui, théoriquement, ces substances-là pourraient avoir des effets négatifs sur votre santé, en particulier votre cerveau. Mais disons que c'est assez difficile de trouver sur le web des informations claires, rigoureuses, nuancées ou juste vraies sur le sujet. Mais là maintenant, vous avez une nouvelle option. Faire à sa tête, c'est une plateforme web créée par des scientifiques pour le grand public qui répond aux grandes questions que vous vous posez à propos des contaminants environnementaux et de leurs effets sur votre cerveau. C'est simple, clair, facile à comprendre et puis pour une fois, le but, c'est pas juste de vous faire peur.